bien, salut à tous et salut à toutes. Ici, c'est Marcellis et on se retrouve donc pour le routier Marcellis numéro 11, toujours avec mon ami Didi. Et comment tu vas? Et toi? Ah bah écoute, la forme. Bon, j'espère que vous allez bien, tout le monde, hein. Ouais, ça va nickel. Voilà, hein, j'espère que tout le monde va bien. Nous, perso, ça va, tranquille. On est... Juste un truc qui me fait chier, quoi. Désolé de ce mot, mais il y a un truc qui me fait chier, quoi. Vas-y, non. Raconte un peu ce qui te fait... Bah, la rentrée. Ah bah, oui, c'est sûr, comme tout le monde, je suppose. Trouve-moi juste un jour dans ta vie quelqu'un qui est content d'aller à l'école. Si t'arrives à me le trouver, ce mec-là. Bah, dis donc. Ouais. Bon, on va essayer de se trouver une petite livraison, les amis. Toujours avec mon magnifique DAF, mon magnifique son aussi. Alors, on va aller chercher une mission. Où c'est qu'on va aller la chercher, cette mission? Allez, je viens de découvrir une agence de recrutement. Donc moi, je bug pas, hein. Toujours, ouais. Toujours juste un petit peu l'IA, quoi. Mais bon. Donc oui, je tenais à m'excuser en même temps, hein, pour les vidéos que j'ai pas pu poster. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai mon PC qui les a supprimés, on va dire. Oh merde. Donc voilà, c'est juste un petit souci. Mais vous en faites pas, hein, c'est réglé maintenant, je pense. J'espère tout le moins qu'il va pas s'amuser à me les supprimer parce que j'ai pas faire plus de ça. Donc oui, je tenais à aussi préciser dans cette vidéo, comme quoi que, ça y est, les amis, j'ai enfin réussi à avoir Farming 2015 version crack. Donc ça, je vais vous la tourner très bientôt. Demain, il y a la balade des routiers qui est prévue si mon Didi arrive à faire comme il a dit. Parce qu'effectivement, mon petit Didi a des soucis avec Steam. Alors, en fait, si vous préférez, j'ai Eurotruck installé sur Steam. Et quand je veux lancer Eurotruck, et ben ça marche pas. Alors du coup, j'ai pris mon CD du jeu. Je l'ai installé sur mon PC. Et puis quand je lance avec le CD, ben il marche. Mais sur Skype, il marche pas. Donc après, je vais essayer de... Comment dire, d'installer le multijoueur. De réinstaller Eurotruck sur Steam. Sauf que j'utiliserai celui du CD, donc mais je pense que ça va marcher. Si ça marche pas, tant pis. Si ça marche pas, et ben Morsu pourra plus faire les vidéos avec moi en multi. Je pense qu'il les fera pas. Il les fera plus du tout. Excusez-moi. Bah, ouais. Meilleur, si toi ça marche pas, c'est. Je vais pas les faire tout seul, hein. C'est tout ce que je veux dire. Donc, voilà, c'est tout. Après, bon, si je trouve peut-être un branquignol ou deux. Un branquignol. Je dirais pas, tu vois, mais... Je dis pas un coup de poing dans ta gueule. Je dis un branquignol ou deux, mais... je peux très bien avoir 2-3 abonnés avec moi, ça me dérange pas. Comment, mais si je dis pas un coup de poing dans ta gueule, t'en fais ça. Ah ouais. S'ils ont le jeu, bon, voilà, je les accepte. Et serait pour pouvoir tourner, s'il faut, ça me dérange pas. Comment, mais si je dis pas un coup de poing dans ta gueule. Pour faire la balade des routiers tout seul, les amis, comprenez bien que c'est impossible pour moi. Non, mais t'inquiète, je vais essayer ça après, puis... Je vais dire que je vais pas m'amuser à... Si ça marche, tant mieux. Comme ça, on pourra continuer toujours, mais si ça marche pas, je laisse béton. Après, voilà.
Donc oui, vous pouvez constater, hein, les amis, que j'ai rien changé au niveau des réglages. Hein. Je suis toujours élevé. Hein. Bon, lui, par contre, je sais pas ce qu'il a branlé. Là. Il a pas vu que j'avais le clignotant, j'en sais rien. Donc oui, je sais plus, je crois bien que je suis sur la map de base. Je me rappelle même plus. J'en sais rien. Il me semble que c'est sur la map de base que je suis, hein, les amis. Vous en faites pas, ou alors j'avais téléchargé une map, j'en sais rien. Je me rappelle plus. Mais bon. On n'est pas là pour parler de la map, on va dire. Donc oui, je tiens aussi à vous préciser que dans cette vidéo, je vais faire qu'une livraison. Ah. Oui, parce que j'ai une livraison de 600 et quelques kilomètres. Ah, quand même. Donc, voilà. Ah, vous voyez, tiens, c'est ce que je vous disais, ça, les amis. L'IA sur autoroute, elle bug pas, hein, il n'y a qu'en ville. Donc, je ne sais pas si ça vient du jeu ou si ça vient de moi, mais bon, je pense pas. En sachant que je tourne à 7-8 fps par seconde, je pense pas que c'est mon PC. Hein. Mais bon. Donc oui, en tout cas, pour Farming Simulator 15, hein, alors j'ai pas de soucis pour le faire fonctionner. Hein, même un PC de merde peut le faire tourner. Donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Hein, je veux dire, il a pas besoin d'une grosse config. Hein. De Farming 2015. Ah ouais, il a pas besoin d'une grosse config, je veux dire, même un PC de merde peut le faire tourner. Bah moi je l'avais mis en very high, tu vois, mais ouais, ça buguait un peu, donc oui, non, mais ça buguait quand même assez. Quand tu dis un PC de merde peut le faire tourner, même si c'est pas en very high mais en faible, tout le monde peut le faire tourner s'ils ont des PC de merde. Ah oui, oui, moi déjà j'ai fait tourner, donc ça va déjà. Ouais, bah c'est ce que je te dis, il n'a pas besoin d'une grosse config pour tourner en faible. Ah. Après, je dis ça, c'est pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer des bons PC, de malades et tout ça, tu vois. Du genre moi. Bah, tu sais, je veux te dire, à mon avis, hein, je pense que t'es pas le seul. Hein. Ouais. Moi, j'en ai un bon parce que je l'ai eu en promo, comme je vous ai expliqué. Mais sinon, ça serait pareil, hein, je serais toujours avec l'autre. Hein. Avec l'autre. La façon de parler, parce que d'une manière ou d'une autre, comme la tour elle avait claqué, j'avais pas le choix d'en avoir une autre. Donc oui, quand même, pour vous dire comme quoi que ma série avance bien, on est déjà à la 11e. J'ai toujours mes 24 abonnés, hein, parce que le Rager s'est réabonné. Hmm. Il s'est pas réabonné sur sa chaîne Rager, donc est-ce que sa chaîne a été fermée ou quoi? Je ne sais pas. J'en sais rien du tout, ouais. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant de chaînes qui vont fermer, pour tous ceux qui connaissent JDPrix, soutenez-le, les amis, parce que il y a des petits enculés qui foutent la merde. J'ai lu ça tout à l'heure sur Facebook. Ah, les salauds. Il y a des petits fils de pute qui s'amusent à foutre la merde. Et donc j'avais vu ça sur Facebook et j'ai l'équipe JDPrix avec sa team avait parlé de fermer la chaîne. Hein. Donc, non, faut pas qu'ils fassent ça à cause des abrutis. Soutenez-le. Bon, après, apparemment, d'après ce que j'ai vu, ils vont peut-être pas la fermer, mais ça serait dommage, quoi, surtout que JDPrix, attention, il fait quand même un super boulot. Ouais, ouais, faut pas qu'il fasse ça. Hein. Moi, je vais vous dire, les amis, entre nous, hein, JDPrix, je suis abonné. Hein, bon, j'ai pas tout à fait fini son live, mais parce que il a fait un live sur Farming 2015, et dans le titre de la vidéo, il a mis On coupe du bois. Un live quand même qui fait 5h05 et 12 minutes, je crois, un truc comme ça. Ça, j'aurais regardé vite fait. Donc, c'est quand même déjà un bon live.
En plus, si je me trompe pas, je crois qu'il l'avait pas, il n'avait pas tourné chez lui celle-là. Parce qu'il me semble qu'il parlait qu'il était avec la Gaming Zone ou un truc comme ça, je crois. Je sais plus trop quoi, enfin bref. Donc j'y ai pris, hein. T'inquiète pas, je vais finir de regarder ton live. Hein. On coupe du bois, exactement 5 heures, 5 minutes et 48 secondes, voilà. Voilà, bah tu vois, j'étais pas loin. T'étais pas loin, effectivement. Donc moi, j'en suis arrêté à peu près à 2 heures. Parce que, comme j'étais à mon PC à minuit, vous comprenez. Aujourd'hui, bon, je l'ai regardé un peu. Après de là, je suis remonté au Leclerc. Voilà, faire mes petites affaires, on va dire. Ouais, je vois de quoi tu parles. Voilà, t'as compris. Ouais. Parce que bon, on n'a pas de soi avant mercredi, donc voilà. Mais Mais voilà, point. Voilà. Donc oui, je sais, là, normalement, je devrais pas me foutre sur la ligne là, mais vous voyez, ils avancent pas, donc je suis bien obligé de les dépasser. Bon, faut dire que c'est un peu normal, hein. Je suis à peu près à 120 là. Donc, ce qui est très réaliste pour un camion, oui. Très réaliste même. Tu me diras, il y a des routiers qui respectent pas. Oh, il y en a non, il y en a qui font. J'avais regardé 90 enquêtes un jour, il parlait de ça. Ouais. Les mecs, ils montaient quand même jusqu'à 100-110 avec leur camion. Ouais. Une fois j'ai vu un truc aussi du genre comme ça. Le camion il montait à 156 km/h parce qu'il avait un tout mini truc est monté, je crois, il le mettait sur quelque chose et le camion il montait à 156. Ouais bah oui, voilà. Le chauffeur il a été verbalisé quoi, 3000 euros d'amende je crois, un truc comme ça. Après plus de camion, on n'en parle plus. En plus, voilà. et en plus le mec c'était le patron quoi, pour le faire. Hein. C'est bien le patron. Il montre vachement l'exemple à ses ouvriers, ouais. Celui-là. On est pas sur farming. Ouais, en tout cas, voilà, pour vous dire qu'il n'y a pas toujours des routiers honnêtes. Et puis c'est tout. Bon, là, nous, entre nous, on est dans le jeu. En vrai c'est 90, c'est 90, tu vois pas. Ouais, genre comme moi peut-être dans quelques années, tu vois. Voilà. Mais parce que les amis, j'y vais voir pour faire ça. Moi. Attention, j'ai pas dit je vais voir. Alors regardez comment que je laque pas d'un poil les amis, parce que vous avez vu les éoliennes, la vitesse qui tourne là. Et hein. Donc oui, je trouve les éoliennes quand même pas mal sympas. C'est quoi ? Les éoliennes. Ah. Ça fait un petit peu sérieux. Attention, je suis sérieux, attention, aïe. Bon mec, je vois pas la route avec mon bonnet de Noël là. Bon, un néon devant, mais j'ai mon bonnet de Noël, normal. C'est très logique. Non, tu n'oublie pas, on essaiera de faire ce qu'on avait dit une fois. Ouais, t'inquiète. Il me reste 639 km, les amis. Tu vois de quoi je parle. Il me reste 639, je vérifiais juste que j'avais encore assez d'essence. Alors là, si tu rentres, tu l'as comme un porc. Ah ouais? Normal, je suis en train de télécharger un truc sur Steam. Ah oui, bye. Ouais, sinon je peux pas télécharger le truc du multijoueur. Ben. Je vois rien, mon gars. Enfin, l'œil droit je vois, mais l'œil gauche je vois pas. Genre, tu sais, comme les boîtes pirates. T'as un œil caché. C'est la boule de mon bonnet de Noël. Ah, parce que j'ai mon bonnet de Noël. En fait, j'ai mon casque et mon bonnet de Noël au-dessus. Tu vois, comme je t'ai montré tout à l'heure. Ah, bah. Bon, d'habitude j'ai mes lunettes au soleil, mais là je sais pas. Il faudrait peut-être que je les prenne. Bon, d'habitude c'est pas le bonnet de Noël, mais d'habitude c'est pas cassé. Il est arrangé. Oh, ils sont où?
Donc oui, j'ai quand même une belle petite couleur hein, sur mon DAF. C'est un mode, hein, c'est un petit skin. Assez sympathique. Tiens, il y a Didi avec la moissonneuse batteuse là. Ah, ils sont là, c'est bon. J'ai cru que je les avais perdus. Je vais prendre mes lunettes. Attention. Je vais faire le chauffeur de la route. Ok. Le chauffeur de la route. Allez, on met des petites lunettes. Donc oui, quand je serai en vidéo sur Farming, je parlerai des petites nouveautés quand même. Du Farming 2015. Hein. Bon, pour l'instant, je suis sur Eurotru, mais... Ouais, de quoi tu parles en Farming alors que c'est sur Eurotruc ? Ouais, je parle un peu de tout, moi. Tu sais très bien que mon... mon petit truc, moi, c'est pour le plaisir, hein, je vous l'ai dit, les amis. Moi, je cherche pas les sujets... Quand j'ai envie de tourner, je tourne. Bon, je tourne que quand Didi est là, hein, parce que sinon je tourne pas. Ouais. Voilà, tout seul, franchement, je sais pas. J'ai fait une fois l'expérience, merci. Oh, c'est nul, hein, tout seul. Bon, bah, j'avais fait 8 minutes, hein, parce qu'en plus, je venais de me lever, j'avais la gueule dans le cul. Oh, ouais, salut. Alors je te dis pas, je sais pas si t'avais été là regarder. Non, je sais pas. C'était laquelle? Je sais pas, c'était la première de routier Marsu. J'ai vu trop, enfin bref, j'étais en Iveco, ça je peux te le dire. Mmh. Elle faisait quoi, 8 minutes 10, un truc comme ça? Oh non, j'ai pas connu. Je me tape en 116 là, en 17. Ah, il faut que je me chute l'argent, c'est vrai. Voilà. Bah, j'avais tourné, ouais, je l'avais tourné, c'était avant qu'on se connaisse, je crois. Donc, Ah ouais. Alors, 6900... Attends. Bon, j'ai déjà marché chez quelqu'un, c'est un peu vite. Un petit Volvo arrive sur nous, là, très gentil. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bon. Donc ça va, on a quand même pas à se plaindre, là. On a un très beau ciel bleu, là. Alors j'ai 6968. Bon, je dois pas avoir de haut vert normalement. Mais Didi, faut pas le dire quand tu triches. Non, je m'en fous. J'assume que je triche. J'ai une merde sans triche, je suis pas joué. Bon, personnellement, je ne triche pas, les amis. Hein. Oh le menteur. Non, là sur Eurotruc, je ne triche pas. Non, ça dépend sur quel jeu. Bon. Oui, je ne dirais pas lesquels. Non, mais vous en faites pas, hein, les amis. Sur Farming, j'ai des parties que j'ai cheatées. Mais je veux dire, quand je vais tourner dessus, je vais pas cheater. C'est une carrière suivie, je vais pas m'amuser à tricher. Bon, les gars, carrière suivie, alors on va tricher un peu. Non. Pour faire ça, autant pas te faire carrière suivie, je te le dis, moi. Autant faire carrément carrière trichée. Carrière tricheur. Là, je veux dire, sur Eurotruc, je ne triche pas, les amis. Hein. Vous allez voir que j'ai monté rapidement au niveau. J'ai monté rapidement au pognon, mais ça, c'est pas de ma faute, c'est un mode. Je devais le retirer normalement, mais le seul problème, c'est que j'ai tellement de modes que je sais pas lequel que c'est. Ok, d'accord. Ah oui. Faut faire. Ouais. Donc, voilà. Je dois en avoir 2-3. Bon, c'est pas aussi, t'en avais 36. Parce que pour l'instant, j'ai pas la Truxim Map qui va sur la mise à jour du jeu, donc... Putain, l'enculé, il va couper la route, bâtard. Pardon. J'ai pas vu exprès. Sortez tout seul. Bon, toi, tu doubles, je t'arrache. Je t'arrache les yeux. Donc oui, vous en faites pas, hein, les amis, si on est arrêté, c'est normal, il y a un saloperie de feu rouge, là, donc... Putain, il me reste 157 km. C'est long, on se traîne. Bon, en roulant 120, ça va quoi.
Celle-là, ah, je roule à 120. Tu roules à combien? Oh, 90. Non, c'est bon. Régulateur, c'est bon, c'était avant ça. Puis maintenant. Tu m'étonnes. Avant. Puis maintenant, je te le dis. Avant le régulateur, c'est une bêtise, on galérait. Hein. T'as le bordel, c'était un fou. Tu m'étonnes. Ils ont pas l'air d'avancer, je crois qu'ils vont pas tarder de m'embêter. Ah, une remorque TNT. En sachant que je peux pas doubler les amis, donc ça m'énerve. Oui, parce que là, si je double maintenant, ils vont me compter un infraction. Infraction de contresens, ils vont me compter. C'est comme dans la vraie vie, hein. Si vous dépassez avec une ligne alors qu'il y a une ligne blanche, ben vous vous faites un PV. Si elle est flic. Ou alors. C'est de moins, ben, les flics sont planqués, puis vous, une fois que t'arrives, ben, hop, sur le côté, et voilà, t'es la main. Donc là, vous voyez les amis, j'ai les petits tirets pour pouvoir dépasser, mais je peux pas, il y a les camions et tout ça qui arrivent en face. Il va falloir que je trouve un moyen pour doubler, bah voilà, j'ai doublé maintenant. Comme par hasard, hein, au moment où je veux doubler le transit, il reste sur ma ligne, hein, ça. Ça bougera pas. Mmh. Tarto Gaming, joue à Warface. Ouais, ça me fait une belle jambe. J'allais le dire, ça me fait une belle jambe. Excusez-moi les amis, hein, si vous voyez mes amis jouer, bah mes amis. Tarto Gaming, je sais même pas qui c'est, mais c'est grave. Okay. Je sais que c'est un mec qui m'a invité sur Steam. Bon, on m'invite, j'accepte. Je vais vous dire pourquoi j'accepte. Parce que je peux très bien accepter un abonné, comme je peux pas y... Dinaldiche de vidéo, tu te fous de ma gueule, toi. C'est le marçu. Et qui? Eh, hey, tu rigoles, mais l'autre jour on m'a posé une question comme ça. Non. Sur Steam, t'es qui? Moi je suis Marcelis, je fais des vidéos sur YouTube et toi t'es qui? Parce que j'avais répondu, excuse-moi. Mais le mec, il m'accepte. Bah tout du moins il me demande, donc je vois pas pourquoi que c'est lui qui me pose t'es qui alors que c'est lui qui m'a demandé en premier. C'est qui le patron? C'est moi! C'est qui le patron? Qui c'est toi? Comme dans Energy. Avec leur son là, qui te mettent des fois. Ouais. Toi même si le qui part, ne coupe pas dans ta gueule. Mais franchement, j'ai voulu le mettre en cours quand elle arrivait, mais non. Non, non, faut mieux pour eux. Mais il y a une part. Non, mais si je pendant ta gueule. Puis s'il y en a qui comprend pas, et ben tu remets la musique. Comme si je part, mon coup pendant ta gueule. Ça serait moins dur si ce truc que c'est pareil. Donc, ah, j'ai bientôt rentré sur Steve. Ça a l'air de bien rouler, les amis, pour l'instant, j'ai pas trop à me plaindre. Oh, moi ça roule bien. Bon, il y a juste un bus qui va commencer à me casser le bignol. Mais ne t'inquiète pas, un petit coup de clignotant, un petit coup de droit à gauche, on n'a pas vu. Donc oui, il y a bug de temps en temps. Bon là, à part là, mais ça arrive qu'il y a des petits coups de freeze. Hein, ouais. Alors est-ce que c'est parce que... Un petit coup de freeze. Est-ce que c'est parce que je capture ou pas? J'en sais rien. Mais normalement, je pense que c'est quand je capture. Bon après hein, ça me dérange pas moi. Tant que c'est eux qui bug et que c'est pas moi, je vois rien à prendre. Je suis toujours la même enfoirée. Donc oui, avoir les pointillés, les amis, apparemment on va prendre le train. Le train, ouais. Le bâton, on verra bien sur place. Le bâton. C'est ça que t'as dit? Ouais. Je le bâton de berger. Le bâton de berger, allez, vas-y!
Ne m'entends plus bien que je tape dessus. T'as entendu ce que j'ai dit? Hein? T'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, ouais. J'ai dit quoi? Donne-moi ton cul que je tape dessus. Oh putain, merde! Continuera, Inch'Allah. J'aurais été chanté parce qu'après il va encore pleuvoir comme hier. Dis-le qu'aujourd'hui, mon gars, je rentrais chez moi, il était 17h05, par 10 mon gars. Il drachait à mort mon gars, mais quand il faisait noir aussi. Oh. Ah ouais? Mais avec le changement d'heure de merde là, je te jure, putain. Ah c'est vrai que... 9 changements d'heure aussi. Oh c'est... T'avances, ta Ford ou tu veux que je te pousse? Pousse-moi. Alors, mais qu'est-ce qu'il mange, putain? Ah, je vais l'avoir sur Steam, ça y est, là. Encore 38 secondes et je l'ai. 38, 35. 35, 26. 26, 25. 25, ça passe à 23. Bon, de 23, de 23 ça passe à 13. De 13, ça passe à 7. De 7, ça passe à 5. De 5, ça passe à 0. Elle passe ou elle branle quoi là? Steam a fini de télécharger le World Truck. Cool. Je vais finir vite fait sur une petite mission là. Bon, avance. Oh non, non. Putain, c'est quoi? C'est bien parisien son World Truck. C'est bien parisien. Pourtant, dans Paris, excuse-moi, mais. Ils avancent les bagnoles, merde. Ça se voit que c'est bien un jeu, bah si je me trompe pas, en plus c'est un parisien. Si je vois bien, si je vois bien derrière, c'est marqué 75. Excuse-moi, je suis déjà monté à Paris, les mecs ils attendent pas une plombe avant de passer, je te le dis. Bah non, eux ils passent à l'arrache, mais bah non, mais là. Bah quoi que maintenant c'est peut-être changé, hein, depuis le temps que j'y suis prêté. Ouais. Bon, je pense pas, les mecs ils roulent comme des fous là-haut. Bon, carrément quoi. Mais bon. Du seul gars, imagine. Ta gueule, j'habite à Paris. Non, j'habite dans un bel pomme. Non, mais ça va quand même. Excuse-moi, quand même, il y en a qui s'amusaient à critiquer les Parisiens. Ouais. Excuse-moi, mais à chaque fois que j'y allais, j'ai jamais eu de soucis. Montrez. Je sais pas si tu l'as vu avec la vidéo de Koé là. Ils étaient à Marseille avec un vieux de Paris, le bâtard. Enfin, pas Koé, mais merci qui. Je sais plus qui c'est. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Ils ont fait une vidéo, ils étaient à Marseille. Il y en a, elle avait un vieux de Paris. Ah ouais, pourquoi pas. Non, bah j'ai pas vu alors. Donc voilà, nous arrivons au train, les amis. Hein. On se gare à l'arrache. Oh, moi je me gare à l'arrache aussi, moi t'inquiète pas. Voilà. Là, moi je suis arrivé, je vais me garer. Felixstowe. Allez, go. Felixstowe. Oh, putain, ils ont pas. On n'en parle plus, voilà. Donc, oui, je vais juste à Swansea, les amis. Non. Je ne sais pas où ça se trouve, j'y ai jamais été encore. Ben, vas-y, colis. C'est mâche. Je crois bien que je vais aller à Calais avec. Je vais transporter des man TGX. Tiens. Ah ouais? En DAF, mais c'est des anciens DAF. Alors moi j'ai le nouveau. Hein, donc. Ah, mais c'est parce que moi je suis en 1.13, tu vois. Ouais, bye. Parce que comme c'est le jeu, et que j'ai été sur le site officiel pour prendre la mise à jour, il n'y a pas encore la 1.14. Ouais, je sais pas, le site officiel il est en retard par rapport à Steam à chaque fois. Ouais. Mais bon. Bon. Ah. Regarde,
regardez-moi un peu cette démo. Un démo de la remorque du man. Elle déchire. Ouais. Donc oui, hein, comme vous pouvez constater, magnifique ciel bleu. Donc ça va, avec les modes que j'ai, ça me passe, c'est déjà nickel. Ouais. Que des fois on met des modes et puis ça marque à cesser de fonctionner. Ah oh ouais, alors ça, j'ai horreur de ça, justement. Moi personnellement, j'ai pas de soucis, donc... Par contre, je me demande si je suis bien sur la map de base, mon Didi. Ouais. Parce que je viens de sortir du train, normalement, sur la route, il y avait pas de carreau avant. Le carreau? Ouais. Là j'ai des carreaux bleus, là tu regardes de roche, j'arrive au stop, il y a des vitres. Un peu à style merde, c'est quoi le jeu qu'on joue en multi là, Minecraft, c'est ça? Ouais. Ah bah tu regardes de roche la vidéo, quand j'arrive au stop, il y a des vitres bleues, style Minecraft. Et quelle fois je regarde derrière? C'est pour ça que je suis en train de me poser la question si je suis bien sur la map de base. Ah c'était pas Minecraft mais c'était Lifecraft, c'est exactement pareil. Ouais mais bon c'est pareil que Minecraft. Ouais. Voilà. Allez, moi je m'en vais à Calais, je suis parti à Bruxelles. Je m'en vais à Calais. Ah oui, c'est vrai que là, les amis, il faut pas que je me croie en France. Oui, merci, sinon ça va pas le faire. Voilà, pour une fois, je me suis pas planté, les amis. Nickel chrome. Pourtant, les vidéos, il faut continuer. Attention, visitez l'atelier. Oui, bah, seul visiterait l'atelier quand je retrouverai. Hein. C'est sûr. Mais si l'équipe part, on me coupe pas dans ta gueule. Donne-moi les clés, donne-moi les clés. Oh le con, tu vois. Oh, oui, là, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de voitures. Ah si, il y en a quand même une. J'allais dire, ça y est, je suis seul. Mais non, non. Bah, quoi que je suis pas loin quand même d'être seul, hein, sur cette route. Ouais, c'est comme sur la map qu'on avait avant, quoi. Ouais bah oui. Dans la ligne droite, bah t'étais quoi? T'étais tout seul, sur le monde, tu sais. Alors t'avais pas intérêt à crever ton camion. Sinon. Ah bah sinon t'étais bien, pas. T'étais bien dans la merde. Bah voilà. Ça serait bien qu'ils fassent comme en vrai, tu sais, carrément comme en vrai. Genre tu roules trop longtemps puis tes pneus ils éclatent. Ah ouais. Ce serait mortel ça. Mortel, mais je pense que à force ça sera lassant, je pense. Je pense, oui. Celui qui roule tout le temps et qui dort pas, dans le jeu, il va. Bah, le pneu il a vite fait d'exploser, je te le dis. Voilà, genre moi quoi. Bah moi aussi je dors pas. Non, moi j'aime bien la simulation de fatigue. Moi aussi. Et je roule tout le temps. Sauf la nuit, je dors. En fait, je peux carrément la laisser, quoi, la simulation de la fatigue. Genre là, il finit, tu vois. Ah non, même pas. Non, parce qu'il finit parce que j'ai mes lunettes de soleil, c'est pour ça. Mes lunettes de soleil, les gars. Allez, vas-y. Eh ouais, Didi, il se croit encore au mois de juillet. Ouais. Ne vous inquiétez pas, les gens, Marcy va essayer de trouver... comment dire. Il va essayer de tourner, du moins il va télécharger un logiciel, pour capturer avec où on peut mettre les camas 2. Comme ça, vous verrez ma gueule de bite, vous serez content. Ouais, avec vous voyez, avec mon gros casque, avec mes lunettes de soleil, mon bonnet de Noël, ma casquette, peu importe. Et comme ça, vous verrez ma gueule et celle de Marcy. Sauf que celle de Marcy, vous l'avez déjà vu. Voilà. Marcy, sont là. Moi, ils m'ont déjà vu, c'est toi qu'ils ont pas vu. Ouais. Après, je l'ai dit, hein, si j'arrive à le trouver, le logiciel, ça ne me pose pas de problème, au contraire. Mmh. Conseil, ils m'ont vu. Bah voilà. Donc oui, je sais même pas combien de kilomètres qu'il me reste encore à faire. Là. Oui, il me reste 150. Attends, je vais jeter un coup d'œil, je vais attendre d'être dans la ligne droite là. Moi je vais taper 140 avec le DAF.
c'est normal, putain. Je viens de me taper un câble. Ouais, moi c'est pareil, je suis presque à 140. Il me reste 375 km, les amis. Aïe. Ah, l'armor là, elle me saoule. Donc oui, il y a un GPS, je vais le retirer, les amis, vous en faites pas, mais... J'attends juste... Au pire, voilà, je vais rester derrière le camion, là. Bon, j'ai pas demandé le rétro. Voilà. On va pas trop tourner. Voilà, là, là. Comment que j'ai eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais me retourner avec le camion, oui. Déconne pas, il a déjà assez de dégâts comme ça, le machin. C'est rien. Bon, lui, il avance pas, on va le doubler, les amis. Comme s'il n'était pas à mon coup de poing dans ta gueule. Bonne tout. Bon, s'il y a un radar, je vais me bouffer le PV. Oh, c'est rien, Marsu. Avec le pognon que j'ai, non, c'est pas... Ouais, moi aussi, c'est 500 000. Ça va. Ouais, je me suis pas mis non plus à la peine, quoi. Bah moi, c'est quand je livre, hein. Ouais, oh, bah... C'est un truc mode, je devais le retirer, mais comme je me rappelle plus lequel que c'est... T'es pas dans la merde, mec. J'ose pas trop le retirer, tu vois. Ouais. Parce que s'il fait que je retire ma peinture ou le son... J'avoue, tu seras pas dans la merde. Pourquoi ils allument déjà leur phare? Ils vont pourtant pour vouloir. Voilà, lui avec son Range Rover, il a tout compris. Il dépasse alors que j'arrive. Non mais voilà, voilà, bah le temps qu'il monte toute la... Mais qu'est-ce qu'il a été pilé là, lui? Mais il est sérieux? Je sais pas pourquoi ils allument leur phare, les amis, je crois que je vais faire le même. Voilà, moi il est 19h53 et il fait encore jour. Donc je garde mes lunettes sur mon nez. Bien sûr c'est mon. Ah bah il part, je dis pourquoi qu'ils allument leur phare, c'est normal, il est 21h05. Toi t'es vraiment trop con. Désolé de dire ça, mais c'est de la vérité. Comme quoi, même avec les phares, je peux pas les amis. Ah bah moi oui hein. Attends, je vais essayer. Ouais, bon. En fait ça bug, mais quand j'ai mis une lunette de soleil, on dirait pas que ça bug. Ça va. Ouais. Ça bug un poil quoi. En fait c'est juste mon PC qui supporte pas le 100%. Pas le 75 non plus parce que... Moi je me suis mis en 100% quand même, je suis un fou, je mange des pâtes. Bah tiens d'ailleurs au soir j'avais mangé des pâtes. On lui des pâtes. Attends, des pâtes au beurre, c'est justement là t'as mis du jambon. C'était trop bon. Je vous conseille de goûter. Si vous avez jamais goûté. À s'en sortir pour qu'on puisse tourner le multi, on tourne en main. J'essaye de le télécharger. Mercredi je tournerai sur Fermin 2014 et jeudi ça sera du Fermin 2015. Je crois que je vais éternuer. Vendredi si j'arrive à retrouver les Sims 4, vendredi je vous retaperai du Sims. Oh yeah! Parce que j'ai vu que vous avez pas mal kiffé. J'essaierai tout du moins de mettre Need for Speed Underground 2. Ou alors, j'ai regardé sur YouTube, je ne sais pas s'il est sorti sur PC, mais un petit MX VS ATV, c'est pas ça? ATV, voilà. Qui a pas l'air trop mal comme jeu. Si vous aimez bien, je vous le ferai le week-end.
bah, le week-end, le dimanche, parce que le samedi, si je me remets les Sims, je tourne dessus. Quand ? Le samedi. Le samedi ? Oui. Merde, faut que je me le remette les Sims, parce que j'ai vu les abonnés, ils avaient kiffé. Hein. Ah oui, 98 vues, ça ? Je crois, ouais, 97, 98, je sais plus trop. Par contre, donc je tenais à vous remercier les amis, vu qu'on est dans le gros truc, j'en parlais. Je tenais à vous remercier pour les 125 vues sur l'Eurotier Sudis numéro 10. Ah oui. Je tenais aussi à vous remercier pour les 13 j'aime. Ça fait toujours plaisir, hein, comme je vous dis les amis. Mon petit Manu Bébine, je te remercie aussi pour ton petit commentaire que tu m'as laissé. Hein, comme je t'ai dit, ça fait plaisir aussi. Donc voilà. Bon, Et je remercie aussi mes 24 abonnés. Alors, prends un petit laisse. Même si dans les 24, il y en a un qui... Je m'entends bien avec, si tu veux, mais bon. Voilà. J'en dis pas plus. Est-ce que je vois le duquel que tu parles? Je pense. Oh, ok. Cool. Je pense. Ah. Alors moi, on vous inquiétez de moi, hein, mes amis. Je parle pas de Manu, je parle pas de tout ça. Il y en a un, donc je m'entends avec. Mais... Sans plus, dire. Sans plus, quoi. D'ailleurs, il a participé avec moi dans une des vidéos. C'est bon, je vois qui tu parles. C'est peut-être même la première que j'avais tournée avec lui. Si je te dis boîte canard, ça. Hein? Boîte canard. Mingo. Yeah. Je m'entends bien avec lui, si tu veux. C'est pas le souci, au contraire. Je m'entendrai peut-être même plus avec lui qu'avec Zelda, pour te dire. Parce que lui, au moins, il crame pas le P, il va pas s'amuser à cramer ton PC ou une connerie comme ça, tu vois. Ouais. Ça, le problème, c'est que le problème, c'est que, bon, quand tu voles l'appli sur Skype ou une connerie, il y a toujours trop de bruit derrière lui. Ouais. Et ça fait que tu t'entends pas parler. Oui. Il y a toujours trop de bruit, ça parle fort. Moi j'aime pas les gens qui ont des micros où les gens ils parlent fort. Bon, moi je veux pas vous dire les amis que des fois il n'y a pas de bruit chez moi. Bon, moi c'est pas les voix qui me dérangent. Mmh. Au contraire, bon, moi chez moi ça parle pas trop fort. Parce que maintenant j'ai presque plus personne qui vient. Et je veux dire, quand je suis des fois avec Didi sur Skype et qu'il y a un truc à la télé que ma femme elle aime bien regarder, ben voilà. Le volume de ma télé va être un peu fort. Ouais. Mais bon, ça, voilà, j'y peux rien. Hein. C'est ma femme qui adore les feuilletons, les trucs comme ça. Là. Ouais. C'est tout. Ouais. Au contraire, je préfère encore entendre une télé forte que d'entendre des blablabla, je sais pas combien de temps, là, c'est bon. Ouais. Bon, puis après, elle met fort. Hein. Tu vas pas lui empêcher de regarder, quoi. Hein? J'ai dit, elle met fort, ok? Mais c'est pas pour ça que tu vas lui empêcher de regarder. Bah non, au contraire. Voilà, moi pour te dire, elle m'empêche pas de faire mes vidéos sur YouTube, tu vois. Ouais, voilà. Donc, voilà. Au contraire, elle sait que c'est mon truc de toute manière, ça. Ouais. Moi je le fais pas pour l'argent, hein, les amis. Au contraire, je le fais pour le plaisir. Parce que, bon, comme je joue d'une manière ou d'une autre le soir, je me dis que de jouer tout seul comme un con. Autant que j'en fasse profiter quand même du monde, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. Après, je prends plus de plaisir à jouer en vidéo que tout seul, quoi. C'est normal. Moi, depuis que ma série elle a commencé, je veux vous dire que... D'accord, j'ai eu des coups bas, des coups hauts, mais... Voilà, sans plus, quoi. D'accord, j'ai eu du mal à faire des vues et tout. Bon, maintenant ça va un peu mieux, je l'admets, mais faut dire que avec le PC que j'ai, ça change un peu. Donc oui, il va pas tarder de me déranger les amis, pourquoi? Parce que j'ai fait un peu le con,
j'ai fait un tout droit. Alors que normalement je devais tourner. Donc oui, je suis en vue extérieure, les amis, je me fais du 11 FPS par 15 FPS. Oui. Ce qui est tout à fait normal, et quand je suis en vue intérieure, je me tape du... Ouais, du 6-7 FPS. Ah. Mais bon. Ils sont vraiment... Ensuite, si ça fait penser à quelque chose, on mange des harissons. Ah oui. Je suis en train de l'écouter. Du poing. Ah, vous pouvez constater, les amis, que bon, il y a des petits coups de bug. On va dire que ça fait un peu les petits coups de bug, genre comme Didi, je pense, je sais pas. Je sais pas, mais moi c'est au ralenti quand j'en ai mes phares et finir. C'est au ralenti. Non, moi, ouais. Si tu veux, ça fait genre, quand il passe vers moi, il frise. Ça fait un petit coup de frise. Sinon, non, ils sont pas ralentis, hein, mais ça fait comme des petits coups de frise, quoi. Enfin, ralenti, tu vois de base comment ils sont? Ouais. Ben, j'allume mes phares et ben, ils sont un tout petit peu moins lentement. Ah oui. Nous sommes de rentrée pour jouer. Bah, c'est sûr. Ok, donc là, les amis, vous pouvez constater qu'il pleut. On va mettre les essuie-glaces. Oui, parce que j'ai pas retiré la pluie, les amis. Je tiens quand même à faire un peu réel. Et ça me dérange pas pour jouer la pluie, donc je m'en fous. Au contraire, manque plus que le gel douce chez la serviette, on peut prendre une douche. Pour le con. Et en plus, vous pouvez constater que les amis, je sais pas si c'est une impression, mais quand il pleut, je roule plus vite. Et quand il pleut, ça mouille. Déjà, je peux vous dire, les amis, que quand il pleut, je monte à 10 FPS. Ah oui. En vue intérieure. C'est tout à fait logique, alors que quand il pleut pas, je fais du 6-7 FPS. Faut le faire. Ouais, donc c'est la pluie qui fait tout le temps, donc mets-le à fond. Je pense que tu auras tout le temps la pluie. Ah, puis comme ça, ça permet de voir un peu ce que ça donne en élever la flotte. Bon, apparemment, c'est toujours les gouttes qui tombent. Et là, c'est là que t'as un putain de brouillard. What the fuck? J'aurais dû fermer ma gueule. Ça sens. Après, il y a le mode hein, pour en avoir de brouillard, mais bon. Ouais. Là, je vois pas trop l'intérêt, à part si vous avez envie de ne rien voir du tout sur la route, quoi. Ah bon, si tu prends... Après, si tu prends le brouillard, c'est sûr que ça prend encore beaucoup plus du réaliste, quoi. Ah bah, c'est sûr. Et puis, à Noël, je vais télécharger le mode neige. Ah ouais? Pour être dans l'ambiance, quoi. Ouais. Voilà. Ah, si, moi, ah, les amis, si j'arrive à en trouver un pour le 1-14. Bah, le jour où il neige chez toi, au pire, tu mets la neige. Oui, je crois qu'il y en a un pour le 1-14, mec. Ouais. Je crois avoir vu ça. J'aurais vu les essuie-glaces du DAF, ils vont assez vite là. Par rapport à celui d'origine. Ça. Vous me direz, les amis, dans les commentaires de la vidéo, hein, si les essuie-glaces vont bien plus vite ou. Si c'est. T'as une impression si c'est une. C'est une hallucination. Voilà. Mais je pense pas, j'ai l'impression que ça va quand même un peu plus vite. Oui. Puis j'aime bien DAF, pourquoi les amis? Parce que moi, il y a 3 essuie-glaces. Ouais, et tu sais pourquoi ça? Pourquoi? Parce que le pare-brise il est plus large. Bah bye. Aïe. Et voilà. Ah, de dire bah oui, je suis sûr, tu savais même pas. Non, je déconne. J'ai eu un pet avec le camion. Normal les amis, c'est la manette. Excuse-moi. Si, il faut que j'en trouve une autre parce que j'ai mon joystick qui se bloque. Eh, le con, je... Ouais, bah, je me suis mis un peu trop de pognon.
Succès déverrouillé, nager dans le succès. Quoi? J'ai gagné 450 000 euros là. Nager dans le succès, ça m'a marqué avec 450 000 euros de marqué. Il y a un problème. Nager dans le succès, je vous pose quel succès? Je vois pas pourquoi que ça me dit nager dans le succès alors que j'ai eu un pet, mais bon, bref. Ou alors c'était ça qu'il fallait faire, tu sais, tu fais un pet pour avoir le succès, nager dans le succès. Bon, attends, je vais essayer. On me compte, tu dois. Donc oui, les amis, je ne sais pas, on va regarder un peu combien de kilomètres qui nous reste. Il ne pourrait pas me rester grand chose. Waouh, vous voyez, 189 km les amis, ça va vite. Bon, 946 XP en vrai. Donc oui, il y a quand même un beau paysage là où on est tranquille. On est bien. Manque plus que le petit coup de whisky coca et puis ça y est, on est parti. C'est con, moi je bois pas d'alcool les amis. Ah non, je vous le confirme. Non, j'ai con. C'est que si je vous le confirme, tu sais, c'est même pas. Avant oui je picolais, mais depuis que j'ai rencontré ma petite femme, j'ai arrêté. Il picole, bétail. Et tu l'as même pas dit à tonton. Non, c'était avant. Ouais, j'ai con. Je te dis, depuis que je suis avec ma petite femme, j'ai arrêté, c'est exprès pour elle. Hein, donc... Mais ça, c'était avant. Puis vous dire... Ouais, bah vas-y, mais putain, mais c'est vraiment de la merde, en fait, le DAF, sérieux. Le DAF. Putain, tu tournes à peine, ça y est, tu te retournes la tronche, quoi. C'est quoi ce délire? J'étais à 20, même beau. Désolé, les amis, mais je suis obligé de faire F7, en plus, 20% de dégâts sur l'armor. Non, mais t'es sérieux. Ah oui. Ah oui, voilà, vas-y, arrête, direct. Ouais, je déconne, je sais. Je suis obligé de finir mon vidéo, mais... Ouais, je sais, mal. Plus, c'est du lait en poudre que je livre. Ah bah putain. T'as besoin de lait en poudre? Je sais pas, je pense pas. Normalement, non. Tu me fais entrer, tu me répares ce camton. Normalement. Voilà, on a réparé le camtar. Le camter, on va réparer. Alors, tire-moi ton GPS, donne-moi. Dans l'histoire, maintenant, il va me rester combien de bornes? Il t'en restait combien déjà? Il me restait 100 et quelques. Ah bah, en plus, les amis, ça m'a rapproché parce qu'il m'en reste plus que 73. Ah oui, d'accord. Eh ben, tant mieux. Purée, mais j'arrive à rien avec cette manette de... Elle va voler par la fenêtre, sans déconner. Non, suis. Non mais c'est casse-couille, sérieux, quand t'as le joystick qui se bloque d'un coup, là, je te jure, c'est chiant. Fais comme moi, tu joues au clavier, moi de la merde. Non mais j'en ai une autre de manette. J'ai une manette PS3 compatible sur PC, les amis, ça va le faire. Moi la mienne, elle passe pas. Ouais, parce que toi, c'est celle directement de la PS3 avec le câble USB. Comme moi, c'est PS3 PC. C'est une Big Ben, c'est une vraie merde, mais c'est pas grave. C'est une vraie merde, mais tu sais, le gars, il va prendre. Moi, c'est une vraie merde, en fait, tu vas prendre. Bah, t'as qu'à regarder sur Google, mon pote. Tu tapes manette PS3 PC Big Ben. Ouais. Quand tu vas voir la taille de la machine, tu vas dire pourquoi c'est de la... Tu vas mieux comprendre pourquoi je dis que c'est de la merde. Elle est grosse? Ah bah, et puis pas grave. Putain.
Alors toi, comme pour les grosses manettes, déjà, c'est sûr qu'une comme ça, t'en voudrais pas. Oh bah non, je suis sûr, avec ta manette et mon clavier, je préfère du jeu au clavier. Donc là, vous pouvez constater qu'on a une belle pleine lune. Tranquillou. On va finir cette livraison. J'ai un voyant en couche qui vient de s'allumer. Ah, c'est... Ouais, d'accord. Ça doit être au niveau de l'armoire que je penche. Je pense, je sais pas si c'est ça. Bon, je vais lancer mon Retruck 2 multi play. Ah merde, c'est vrai, putain, faut que je mette mon jeu sur Steam en 1.12. Fuck, chier. Bien. Donc là, si je prends un PV, les amis, c'est normal, je suis à 60. On va tout de suite baisser la vitesse. Je repasse à 50 parce que ici, quand ils disent 30, c'est 50. Même pas, c'est 48. Ah, je suis passé à 50. Ah putain, l'enculé, oui, tu m'étonnes. Je suis passé à 50, j'ai bouffé les 7 vitesses. Ah bah je t'avais dit c'était en... Bon, c'est pas grave. Oh, tu sais quoi, j'ai récupéré le pognon que t'as. Voilà, voilà. Pas un problème. Là, cette fois les amis, je vais quand même faire attention quand je prends mes virages. Hein. Je ne tiens pas à me retourner encore une fois de plus, c'est bon. Hein. Puis on a un très beau mur en pierre. Ça change un peu de décor, là, c'est vrai que... Ok, ils ont foutu un feu rouge juste là. Donc à mon avis, comme je vous ai dit, je vais pas être sur la map de base. Et je vais avoir pour trouver une map à mon avis qui fonctionne et puis je me rappelle plus. Putain. Pardon, excusez-moi, je l'ai fait exprès. Alors, on va mettre la musique de Far Cry 3. Oh, donc oui, j'ai mon ciel qui est en train de se mettre un peu violet rose là. Je ne sais pas si c'est normal. Regardez-moi un peu la couleur de mon ciel, les amis. Qu'est-ce que ça donne? Ça claque. Mais bon, ça me fait flipper quand même un peu. Parce que ce ciel-là, ça me fait vulgairement rappeler la map qu'on avait avant. Bon, on peut constater qu'il y a une belle montgolfière aussi. Ah, toi t'es mauvais, moi je suis fier. Oh, oh. C'était nul, ça remonte. La blague qui date de je sais pas combien d'années, c'est... La blague de balle. Eh, mais ensuite, tu connais la blague de balle. Hein? Tu connais la blague à deux balles? Non. Pompon. Tu connaissais pas? Ça se trouve, j'ai déjà entendu, mais tu sais, avec tout ce que j'ai entendu en conneries dans ma vie... Tu la connais, c'est la blague de la blague de la chaise, pardon. Ouais, elle est pliable. Elle est pliante. Voilà, c'est comme la blague que de la tasse, t'as pas de bol. Ah ouais. Tu connais la blague de la tasse? Pas de bol. Pas de bol. Donc là, on va bientôt arriver à notre destination, hein, les amis.
Non, ça y est, mon ciel commence à revenir normal. J'ai flippé, les amis, je peux vous le dire. Parce qu'il y avait une map que j'avais téléchargée, le ciel il devenait tout rose. Après, le ciel devenait tout rouge et là, on ne voyait plus rien sur la route. Il y avait tombé de brouillard direct. Bon, play Euro Truck, United States, play. Apparemment, au lancement d'Euro Truck. Pas au lancement. Non, ça marche pas, mec, pour le multi. Putain de merde. Je pense que c'est mort. Bah, pour la balade en multi, les amis, vous nous excuserez, mais ça va être foutu. Ça va être foutu pour le moment, mais je vais essayer de retrouver pourquoi ça marche pas. Et sinon, on en fera. Voilà, voilà. Pour l'instant, on va dire qu'on laisse l'affaire. Voilà. Donc, bah, demain, demain, il y aura pas de vidéo, alors. Ouais. Parce que dans l'histoire, si on peut plus jouer, pour l'instant, il faut que je refasse mon planning. En attendant que tu regardes pourquoi ça fonctionne pas, quoi. Mmh. Et voilà. Ouais. Et bon, c'est pas un problème, les amis, vous en faites pas. Voilà. On est arrivé les mains dans les poches. Putain de la rame. La rame. Donc voilà, on va arriver bientôt les amis. Vous en faites pas. What? Ça serait moi qui arrive, c'est pareil. De me rentrer dedans, voilà, 21 des % de dégâts. Les gens, ils doivent être aveugles, hein. Ils voient pas que je mets mon clignotant, donc... Voilà, on y arrive bientôt, je vois le drapeau. Oui, bah là, je pense que je vais éteindre les feux. Ouais, c'est bon. Combien de mètres? Là il m'en reste pas trop. Ok. 3 km. Ah ok, ok, ok. Pas de soucis. Après on s'arrêtera là. Les amis, pour aujourd'hui. Y a pas de soucis, mec. Parce que je crois bien qu'elle doit faire au moins 40 minutes celle-là. Là. Au moins. Au moins, oui. Attends, on avait commencé pendant 21h, ça? Ouais. Elle est 21h47. Ouais, voilà, 47 minutes. Alors, je sais pas. Je suis pas mieux qu'un... Je veux pas en être... Je suis pas mieux qu'un homme. Je suis pas monté sur la lune. Donc oui, là, j'ai des petits coups de frise, mais c'est normal. J'arrive en ville, plus la capture. Donc voilà. Je peux vous le dire que ça frise un poil, hein. Je suis repassé à 4 FPS par seconde. Donc... Ouais. Mais bon. Du moment que c'est pour moi... Je m'en fous. Moi, exactement, ma petite biche. Moi, personnellement, le camion n'a pas l'air de bugger. Par contre, avec cette vitesse, il te loupe pas, hein. Dès qu'ils peuvent se faire de pognon, ils s'en font là-dedans, non? Ah, purée, j'arrive au rond-point. Sur vocal. Oui. Tu vois le point vert en pétard? Oui. C'est qu'il est, c'est qu'elle se trouve la rue. Ouais. Tu sens que c'est qu'il y a le bateau au centre-ville. Mmh. Au vers les Halles. Ouais. Tu montes un petit peu là. Ouais. Tu sais, t'as la Red Plus avenue, t'as la Red Plus Gambetta juste à côté du théâtre. Bah oui. Et tu vois, à côté là, t'as
comment que je peux dire, une forme, c'est une maison avec, tu sais, avec des volets marrons. Ouais. Et à côté, tu sais, t'as une maison là, avec des volets bleus. Ouais. Est-ce que dedans, t'as plusieurs dedans? Là, j'en ai aucune idée. De guerre. Il y a un type 3 là-bas loué 382 euros. Ça va. Si il y a une maison, mais tout ça, tu devrais aller habiter là-bas. Pourquoi pas? À une condition qu'on soit tout seul, parce que si c'est pour être à plusieurs là-dedans, c'est pas la peine. Ça m'intéresse pas. Ah bah tu sais, de toute façon, quand tu fasses une demande de logement, là, pour le moment, les maisons, en hiver, là, t'en trouveras pas. Hein. Ce sera plutôt l'été prochain. Pas de problème, dans des logements à 3 états, tu seras pas tout seul dans un logement. Ce sera plus comme ici. Oui, pas comme ici, mais je peux dire qu'on serait pas tous dans le même logement. Bah non, c'est pas tous dans le même logement. Voilà, on est quand même garé. Donc tous beaux. Tolérable, ouais, bah ça je t'emmerde. Donc vous voyez bien les amis que c'est bien un mode, hein. Vous pouvez constater plus de 152 et quelques XP. Y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, bah on va se laisser là. Hein. Et on se dit à très bientôt. Salut. Salut.